Bonjour et bienvenue à l'Église Le Portail en ligne. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Mon nom est Denis. Je suis le pasteur de notre site à Sainte-Eustache. Notre église c'est une seule église représentée sur quatre sites Laval, Terrebonne, Sainte-Eustache et Abitibi. Si tu désires en savoir davantage sur nos heures de réunion et nos différentes adresses, je t'invite simplement à visiter notre site internet au www.égliseleportail.com ou notre page Facebook. Maintenant, puisque nous sommes dans la période des fêtes, j'aimerais profiter de cette capsule pour te faire une invitation spéciale pour le 24 décembre prochain. Tu te dis probablement que tu es déjà occupé, donc ça ne sert à rien que je te le dise. Attends, attends. Que tu es prévu d'être en famille, en couple, seul, en souper avec des amis ou quelque autre chose que tu as prévu, ma proposition s'adresse quand même à toi puisque ça risque de ne pas toucher à ce que tu as prévu en soirée. L'invitation est la suivante, notre traditionnelle soirée à la chandelle. En fait, c'est d'une durée d'une heure ensemble où des chants de Noël, un court message de Noël seront présentés. C'est une belle façon de débuter nos festivités en commençant par Jésus en Église et en les poursuivant avec nos proches par la suite. Prenez note qu'il y aura deux représentations. 14h ou 16h, c'est pourquoi tu peux être là. Donc, on espère vous voir parmi nous pour cet événement du 24 décembre. Sans plus tarder, prenons les prochaines minutes simplement pour écouter le message de Noël d'aujourd'hui. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quel privilège de vous apporter la parole ce matin. Nous sommes toujours dans la série Enfin Noël. Vous avez l'occasion d'écouter les trois messages précédents. Si vous ne l'avez pas fait, Et, euh, je vous encourage à les trouver sur YouTube, la série « Enfin Noël ». Et ce que nous avons vu dans les versets précédents, c'est que Zacharie, qui était sacrificateur, travaillait dans le temple alors qu'il a reçu la visite de l'ange Gabriel qui lui annonçait que sa femme, Élisabeth, allait avoir un enfant. Cet enfant-là aurait le nom, aurait pour nom « Jean » élisabeth et zacharie étaient avancés en âge ils n'étaient plus à mesure d'avoir des enfants d'ailleurs élisabeth était stérile mais à dieu tout est possible quand dieu le veut six mois plus tard l'ange gabriel a été visité marie pour lui annoncer qu'elle porterait un enfant qui aurait pour nom jésus-christ le sauveur marie ne comprenait pas comment se fait-il Comment ça allait se faire puisqu'elle puisqu n'a jamais connu d'homme L'ange lui a dit Rien n'est impossible à Dieu. Waouh Alors vous pouvez peut-être faire de, 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 de cette phrase la vôtre, la tienne. Rien n'était possible à Dieu. Alors après que l'ange ait été voir Marie, Marie s'est levée de façon précipitée pour aller dans une autre ville. C'est le passage que nous allons lire, va vont, vont vous, vous le dire, vous allez, vous allez bien le comprendre. Marie s'est levée précipitamment pour aller dans une autre ville. On comprend à cette époque, avoir un enfant alors qu'on n'était pas marié, c'était une honte pour elle. Elle avait sûrement peur de, de causer un scandale dans la petite ville de, de Nazareth. Oui, elle allait voir Elisabeth, mais on a dit qu'elle est partie rapidement, vite, elle se, elle se pressait. Même si elle était dans la volonté de Dieu, elle avait ce sentiment de gêne et de honte. Juste avant de commencer ce message, j'aimerais quand même vous encourager par, par ce mot, par, par ces paroles. J'aimerais vous dire, ça se peut que vous soyez dans la volonté de Dieu, ça se peut que vous faites la volonté de Dieu, vous êtes en train de servir Dieu, ça se peut qu'il y ait une situation qui te gêne, une situation dans laquelle tu ne te sens pas à l'aise. Tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire. Tu te demandes, est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce que c'est normal que je vive? Tu as peut-être envie, peut envie de t'en aller, tu as peut-être envie de changer de ville, tu as peut-être envie même de, 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 de te sauver. Ta situation est peut-être invivable. Ce que j'aimerais te dire, prends courage, si tu es dans la volonté de Dieu, il va te relever. Il va te relever la tête. Il va te relever. Sois, sois patient. Sois patient en attendant. La réponse de Dieu. Des fois, tu vas vivre la compréhension. Peut-être des membres de ta famille, peut-être de ton entourage. Des fois, même tu as pris position pour Dieu. Puis là, il y a des choses qui ne vont pas. Tu ne te sens pas bien. Sois patient. Dieu va te relever la tête. Commençons notre lecture. Et de ce matin, nous sommes toujours dans, dans l'évangile de Luc, le premier chapitre. Nous allons lire les versets 39 à 56. Je commence pour vous la lecture. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans, dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les, les yeux sur la, de, sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et la miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient... Dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié les, de bien les affamés. Il les a renvoyés à riches. Il les a envoyés, les riches, avides. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa descendance. Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle. Wow! Ce que nous venons de lire dans les derniers versets, c'est un cantique que, que Marie a écrit lorsqu'elle a constaté l'ampleur de la grâce qui lui est accordée, lorsqu'elle a pris conscience qu'elle, une femme pêche, pécheresse était bénie du Seigneur et portait son sauveur. Marie a éclaté en louange, a écrit ce cantique. Pour moi aussi, c'est une prière de louange. C'est ce qui m'inspire ce matin à vous parler et, uh, des raisons pour lesquelles on devait louer Dieu. Et je vais vous proposer et, uh, comme titre pour ce message cinq raisons. Pour remercier le nom du Seigneur. Cinq raisons pour remercier le nom du Seigneur. La première chose que Marie a faite, lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte, et l'ange lui a dit et hey, By the way, j'ai été voir ta parente Elisabeth, et elle est dans son sixième mois. C'est comme là, je lui a donné un scoop, lui a dit Je t'annonce que toi, tu vas avoir un enfant, peut-être tu me crois, oui, peut-être tu as un doute, mais. J'ai dit la même chose à Elisabeth, et voilà, Elisabeth est dans son sixième mois. La première chose qu'elle a faite, elle est partie en art, elle est allée voir, elle change de ville, elle est allée voir Elisabeth. C'est sûr que nous aussi, lorsqu'on vit des situations, on a des gens vers qui se tourner dans. Des fois, des fois c'est même pour un voyage. Des fois, quelqu'un va vivre, un, va aller dans un voyage que ce soit dans, dans une ville au sud. On, on va l'appeler. Oui, comment ça a été parce qu'on veut aller au même endroit pour voir est-ce que c'est un bon hôtel, est-ce que c'est une bonne place. On aime toujours se référer aux gens. Et Marie, c'est ça qu'elle a fait. Elle s'est tout de suite tournée vers Elisabeth pour pour aller voir quelqu'un qui vivait la même chose qu'elle. Ça, c'est pour l'encourager peut-être. Mais ce qu'Élisabeth a fait, Élisabeth l'a encouragée, oui, à confirmer par l'Esprit de Dieu tout ce qu'elle avait entendu, qu'elle portait vraiment un enfant divin, qu'elle portait Jésus-Christ le Seigneur. Elle lui a dit qu'elle était bénie. Et je suppose que Marie était vraiment encouragée en entendant les paroles, les paroles qu'Elisabeth lui avait dites. C'est une grâce, mes frères et sœurs, d'avoir des chrétiens autour de nous, c'est une grâce. Dieu fait provision pour nous dans toutes les situations. Même lorsqu'on a l'impression qu'il est loin, il fait provision pour nous. Parfois, il va nous parler à travers sa parole. Parfois, il va, il va nous parler à travers un message. Mais d'autres fois, c'est souvent à travers des chrétiens aussi qu'il va, qu va nous parler. Il met des chrétiens à notre disposition. C'est pour cela. J'aimerais vous inviter à remercier Dieu comme premier point ce matin pour la communauté des chrétiens. Dieu nous fait grâce de nous mettre dans une communauté avec d'autres chrétiens. En étant avec d'autres chrétiens, ça nous permet de vivre sa parole. Nous sommes faits pour vivre avec les chrétiens, avec d'autres chrétiens, d'autres frères et sœurs. On a besoin des chrétiens qui vont nous, en, qui, qui vont nous encourager, des chrétiens qu'on peut aller voir lorsque ça va moins bien, lorsqu'on lorsqu se sent seul, lorsqu'on lorsqu on, on ne sait pas -ce que, comment on va faire pour dans la volonté de Dieu. Tu as besoin des gens. Qui ont la même foi que toi, qui vont, qui vont te dire, attends la grâce de Dieu. Lorsque tu penses que, lorsque tu, penses que tu que Dieu t'a abandonné, quelqu'un... Tu as besoin d'un chrétien qui va te dire, non, mon frère, je peux dire, tu peux, tu, qui peux te dire comme le psalmiste, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité m'a en, en son pain. Tu as besoin des gens qui vont te dire ces paroles, tu as besoin des gens qui, qui vont te dire alors que tu penses que Dieu ne, ne t'entend pas, que tu as prié tu pries, tu pries et Dieu ne, ne t'entend pas. Tu as, de te, de as besoin de ces frères-là, tu as besoin de ces soeurs-là qui vont te dire, non, attends. Dieu va te répondre car quand les justes crient, l'Éternel entend. Donc Dieu nous fait grâce. C'est une bénédiction d'être dans la communauté de chrétiens, d'avoir des gens qui nous entourent, d'avoir des chrétiens, d'avoir des gens vers qui on peut aller, qui vont nous écouter, qui vont nous encourager, qui vont nous rester, qui vont nous aider à rester sur la voie de Dieu. Tout comme Dieu fait provision pour toi, il fait aussi provision pour les autres. Donc toi, tu peux aller vers les autres, mais il y a d'autres qui vont venir vers toi. Quand les autres vont venir vers toi, tu as aussi besoin d'avoir une parole de sagesse. Tu as aussi besoin de, de les écouter. Alors, l'attitude, ce n'est pas nécessairement de dire, oui, pourquoi moi, pourquoi il vient vers moi? C'est parce que Dieu a fait provision pour cette personne-là. Et c'est vers toi que Dieu l'a envoyé. Voyez-vous qu'Elisabeth n'était pas jalouse de ce que Marie portait l'enfant de Jésus. Que, de, de ce que Marie portait Jésus. C'était une grâce. Mais Marie était contente. Donc, tu as besoin d'être content lorsque les gens, les, tes frères, tes soeurs sont bénis. Ils ont des bénédictions. Loue Dieu pour eux. Bénis Dieu pour eux. Donc, ça va dans, dans les deux sens, cette communauté-là. Il y en a qui vont vers toi et toi aussi, tu vas vers, vers les autres. Donc, si tu es seul à la maison, tu m'écoutes, tu n'as pas, pas une église, ou du moins, ça fait longtemps que tu as laissé l'église, ou après à la pandémie, ou peu importe, tu as besoin d'être avec des frères. Tu as besoin d'être avec des soeurs. Je t'encourage. C'est une grâce, c'est une bénédiction de, de vivre avec des, des, les, autres, les autres chrétiens. Remercions le Seigneur pour cela. Lorsque Marie a salué Élisabeth, il s'est passé quelque chose de remarquable. Par la vertu du Saint-Esprit, l'enfant que portait Élisabeth, c'est-à-dire Jean, a tressailli de joie. Waouh c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester indifférent lorsque le Christ le Sauveur est, est près de nous, lorsqu'on l'approche. Jean a reconnu la présence de ce Sauveur-là dans le sein d'Élisabeth. Et tout ce que... Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, qui a permis que ça puisse se réaliser. Et tout ce qu'Élisabeth a dit à Marie par la suite a, a certifié qu'elle qu portait l'enfant roi. Que, que, C'est par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a confirmé cela par la bouche d'Élisabeth. Donc remercions le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Remercions le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit dans notre vie. C'est mon deuxième point. Lorsque tu acceptes à Jésus comme ton sauveur, le premier don que tu reçois c'est le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a beaucoup de fonctions. Il mène beaucoup d'activités dans ta vie souvent, tu ne t'en rends pas compte. C'est comme si tu étais dans une ville, j'ai déjà entendu un monsieur, je ne sais pas, donc, dans une ville tranquille, qui demandait à un policier, « Ah, il se passe rien ici, c'est une ville tranquille ?» Le policier disait, « Ah, ben, peut-être tu ne sais pas, mais il <laughs> y, a, y, a, y a plein de choses qui arrivent. » Donc, c'est comme quand tu, il se passe plein de choses sans que tu sois au courant. Pendant que tu dors, il se passe, il se passe des choses. Le Saint-Esprit fait plein de choses dans notre vie et on n'est pas, pas au courant. On, on, on ne se rend pas compte. J'aimerais vous apporter quelques quelques fonctions du cet esprit ce qu'il fait premièrement cet esprit nous convainc du péché Jésus a dit à ses disciples qu'il enverrait l'esprit dans le monde et quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement ce qui fait que les gens vont se rendre compte qu'ils qu qu pêchent et qu'il va avoir un jugement qui c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail là nous pouvons trouver ça dans Jean 16 7 à 11 le Saint-Esprit va communiquer les vérités de Dieu. Le Saint-Esprit prend la, la vérité de Dieu, va le transmettre à l'Esprit des hommes pour les convaincre, pour leur donner des arguments clairs et suffisants qu'ils sont des pécheurs. Le Saint-Esprit conv nous convainc qu'on est des pécheurs. Le Saint-Esprit nous convainc de la Seigneurie de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de reconnaître que Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu pour cela. L'Esprit de Dieu vient, une fois que tu le Seigneur Jésus. Une fois que tu acceptes qu'il est ton Sauveur, le Saint-Esprit vient en toi. Il vient demeurer avec toi pour toujours. Il t'accompagne partout où tu es. Il t'accompagne toujours. Alors tu as, as l'impression, oui, mais je suis tout seul. Non, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Tu as, as quelqu'un qui est avec toi et c'est le Saint-Esprit. Alors ce qu'il fait, il, une fois sauvé, non seulement il vient demeurer en toi, mais il vient te garantir. Il atteste que tu es un enfant de Dieu pour toujours. Il vient te garantir le salut. Jésus nous a aussi donné le Saint Esprit en compensation. Ça veut dire quoi Ça veut dire pour, en son absence, parce qu'il n'est pas là, toutes les fonctions que Jésus aurait faites, c'est le Saint Esprit qui fait, qui, qui, qui les fait pour toi. Donc le Saint Esprit est avec toi en tout temps. C'est pour, pour ça que Jésus a dit, je, il est préférable que le Saint Esprit qu'il envoie le Saint Esprit. Amen pour cela. C'est pour cela que nous devons remercier le Seigneur pour le Saint Esprit. La présence du Saint Esprit pour finir nous rend capable d'interpréter la parole de Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on comprend la parole. C'est à cause du Saint Esprit qui est en nous. Et il y a plein d'autres fonctions. Je pourrais vous parler. Donc, vous aide à porter des fruits. Donc, les fruits comme la patience, la bonté, la joie, la paix. Tout ça, ce sont des fruits de l'Esprit et c'est l'Esprit qui, qui vous permet d'être en joie, d'avoir la paix, d'avoir la bonté. Des fois, on pense parce qu'on est bon. Non, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Gloire à Dieu pour son esprit qu'il met à nous. Alléluia. Merci Seigneur pour cela. Remercions notre Seigneur pour le, le Saint-Esprit. Élisabeth continue à parler au verset 42 et dit à Marie, tu es bénie. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Pourquoi qu'elle est bénie? Elle est bénie parce qu'elle parce qu est au service du Seigneur. Elle ne méritait pas de porter cet enfant. Marie est une femme pécheresse, comme nous. Alors, s'il y en a qui pensent qu'ils peuvent adorer Marie, ou Marie, c'est une sainte. Marie n'a jamais été une sainte, c'est une grâce. Elle est une pécheresse. C'est une grâce que Dieu lui a faite de, de la mettre à son service et de, pour qu'elle qu puisse le servir. Dieu a bien voulu l'utiliser pour accomplir sa volonté. Comme troisième chose que j'aimerais vous, vous dire, c'est de remercier Dieu pour le privilège de le servir. Oui, c'est un privilège de servir Dieu. C'est un privilège d'être au service de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui servent dans son Église, pour les bénévoles, pour les pasteurs, pour les leaders, pour les gens et, et que ce soit qui font le ménage, qui, pour les techniciens. Je rends grâce à Dieu pour cela. Mais sachez-le, c'est un privilège. C'est un privilège d'être au service de Dieu. Ephésiens, et à Paul va nous dire... Au, au, à l'épître d'Ephésiens, il parle de l'évangile dont il a été féministe selon le don de la grâce qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Donc Paul, il dit, j'ai été fait ministre de l'évangile, mais c'est une grâce que Dieu m'a accordée. C'est une grâce. Donc lorsqu'on sert Dieu, c'est une bénédiction. On doit remercier Dieu pour cela parce qu'on ne mérite pas toi, moi. On ne mérite pas d'être au service de Dieu, pécheurs que, que nous sommes, mais Dieu nous fait cette grâce là de nous, de nous accorder, de nous, de nous permettre de le servir. Jean va nous dire au vers, et au Jean 12 va nous dire au verset 26 et c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Dis, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Tu veux être au service de Dieu, c'est bien, mais suis le, le, le Seigneur en même temps. Et tu veux, tu veux suivre le Seigneur, ben sers le Seigneur en même temps. C'est un privilège, c'est un privilège. Vous qui êtes à la maison, si vous voulez servir Dieu, il faut être dans la communauté, il faut être ici, il faut être dans une église, il faut être à, à quelque part avec des chrétiens pour pour avoir ce privilège, d'être au service, d'être au service de, de notre Dieu. Vous euh, voyez, il y, y a des fois, il y a, y a des gens connus, des vedettes. Des fois, les gens sont tellement juste contents d'être à côté de ces gens-là, de dire je les connais. Ou même de, de, de servir dans la maison, de, 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 dans, dans le temps ancien, dans, dans, de servir dans la maison des rois. Et on a quelques rois qui, qui, qui existent encore aujourd'hui, et rois et reines. Ou que c'est sûr que les gens sont contents d'être au service de ces gens-là, c'est un privilège. Ben à plus forte raison combien c'est -ce un privilège. C'est une bénédiction d'être euh, au service de notre Dieu, parce que Marie ne méritait pas cela. Et elle s'est même dit une femme comme moi, tu as regardé la base est de mon péché Comment puis-je avoir l'occasion de porter ton enfant Donc être au service de notre Seigneur, c'est un privilège. Élisabeth explique à Marie au, au verset 45 Heureuse celle qui a cru parce que les choses lui ont été dites de la part du Seigneur. Waouh, je l'ai je lu au complet. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Vous comprenez que tout ce qu'on fait, même le fait de croire à l'accomplissement, et euh, même le fait de croire que Jésus va revenir, c'est Dieu qui nous permet de croire. La, cette foi qu'on a, c'est un don, c'est un don de Dieu. Remercions Dieu et, euh, pour la foi. Et c'est le quatrième point que j'aimerais que, que vous partager c'est remercier Dieu pour la foi qu'il te donne. Remercier Dieu pour la foi. La Bible est très claire que ce qui nous sauve, ce ne sont pas nos œuvres. Pas, tes œuvres ne peuvent, ne peuvent pas te sauver de la condamnation, ne peuvent pas te, te, te sauver du péché éternel, mais seulement la foi. Mais comment, comment avoir la foi La foi nous permet de croire en Jésus. Mais oui, mais des fois, juste croire que Dieu existe, juste croire que Jésus existe, ce n'est pas suffisant. C'est comme, vous l'avez sûrement entendu, c'est comme le, le funambule. Qui est venu une fois pour traverser et, euh, pour le, le, le Niagara, Niagara Force, les chutes Niagara. Alors qu'il traverse, il traverse une fois, tout le monde est là en train de l'applaudir. Il traverse, il fait un va-et-vient, tout le monde l'applaudit, tout le monde le voit, tout le monde sait qu'il est capable. Mais lorsqu'il fait la demande, il demande à quelqu'un est-ce que tu veux embarquer sur mon dos pour traverser avec toi Parce que vous comprenez, les chutes du, du, Niagara. Les chutes de Niagara, pour, pour ceux qui ne savent pas, c est, c est, c est vraiment un, ce sont des chutes magnifiques. Mais évidemment, si tu tombes, tu meurs. Alors que le funambule était suspendu sur, sur euh, une côte de fer, traversé, tout le monde l'a vu, aller et retour, mais personne ne voulait monter sur son dos pour faire le trajet. Il, il croit, ils il croient qu'ils peuvent qu le faire, mais est-ce que moi je suis prêt Donc, il ne suffit pas de croire que Dieu existe, mais est-ce que tu es prêt à embarquer avec Jésus Est-ce que tu es prêt à embarquer avec lui Il ne suffit pas de dire, oui, c'est vrai qu'il est mort, mais est-ce que tu es prêt à embarquer Mais cette foi-là, c'est plus. Cette foi-là nous permet de croire vraiment que Dieu, que, que Dieu non seulement qu'il existe, que Jésus est venu pour toi, mais que tu es prêt à embarquer avec lui. La foi, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que... Il y en a qui disent, tu peux dire, j'ai beaucoup de foi. Tu peux dire, ma foi est très grande. Mais c'est un don de Dieu. Ta foi ne te sauve pas. Okay? Je, tu ne te sauves pas par ta foi. Mais Dieu en te donnant la foi te sauve. Je répète, tu ne te sauves pas par ta foi. Mais Dieu en te donnant la foi te sauve. Je te l'explique dans Éphésiens dans 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Tu es sauvé par le moyen de la foi, mais ça vient pas de toi. C'est un don que Dieu te fait. Donc, donc encore là, remercions Dieu pour le don de la foi qui nous permet, cette foi-là qui nous permet de croire en Jésus et qui nous permet d'être sauvés. Même le fait de croire par la foi, c'est Dieu qui te donne ce don-là. Donc, on ne peut pas s'enorgueillir, on ne peut pas se trouver meilleur que les autres. Des fois, vous pouvez dire Mais pourquoi, personne, pourquoi les autres ne croient pas C'est si simple. Pourquoi on ne croit pas en Dieu Pourquoi on, on, ils, vont, ils vont croire à toutes sortes de choses sauf en Dieu Mais c'est un don de Dieu. Ce n'est pas, pas donné à tout le monde de croire. Donc, c'est pour ça que nous devons continuer à apprécier l'œuvre sachant qui va croire, qui ne croira pas, ce n'est pas à nous de décider. Nous avons tout simplement, euh, le, nous avons tout simplement le fardeau de, de prêcher l'évangile. Donc le salut est, donc devient donc une, est une grâce. Donc c'est une grâce qui est imméritée et c'est pas la foi que tu, que tu l'obtiens. Gloire à Dieu pour cela. Donc, remercions le Seigneur pour cette foi qu'il nous donne. Donc, même si. Et euh, même si euh, des fois on a l'impression que, que c'est nous qui faisons, mais nous ne faisons rien, nous n'avons pas tant de foi que ça. alors si la foi ne vient pas, si la foi ne vient pas de toi, si c'est un don de Dieu, des fois tu, donc tu peux prier pour la foi, tu peux dire à Dieu ok oui, je crois que tu, je, je crois que tu existes. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Il y a des, il y a des, 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 des paroles que tu trouves dans la Bible, peut-être que tu n'arrives pas à, à tout saisir, à tout croire, mais demande à Dieu, demande à Dieu. Seigneur, je veux plus de foi, je veux plus comprendre, je veux plus croire en ce, en, en ce que tu dis, je veux plus croire en ta volonté. Tu peux prier pour avoir cette, cette foi-là parce qu'elle ne vient pas de toi, elle vient vraiment, elle vient vraiment de, de la part de Dieu et c'est une bénédiction. Enfin, comme cinquième point, vous comprenez, j'aurais pu trouver. J'avais déjà 10 points pour des remerciements. Mais je voulais que ce soit, soit un message simple et rapide en, 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 ce, en ce dimanche que vous m'écoutez. C'est pour cela que je l'ai réduit vraiment à 5 points. Et je ne voulais pas que ce soit trop compliqué. J'arrive déjà à mon cinquième point. Et comme cinquième point, et, euh, nous aimerions remercier Dieu pour son Fils, son Fils Jésus le sauveur qu'il nous, qu'il a envoyé. Marie a reconnu qu'il avait besoin d'un sauveur. Marie a reconnu qu'elle qu qu avait besoin d'un sauveur. Comme Marie dit, au verset 46 et 47, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Donc même si... Marie portait le Sauveur, qui est le Christ. Elle aussi avait besoin d'un Sauveur. Elle aussi, c'est une pécheresse, elle a besoin d'un Sauveur autant que nous. Donc, nous avons tous besoin d'un Sauveur. Nous avons tous besoin d'un Sauveur. Quelle grâce de savoir que, plutôt que tu es dans une vie, tu es en train de te noyer, mais... mais quel grâce de savoir que tu peux avoir un sauveur qui est qualifié, qui va te donner la main pour, ta, pour, 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 te, pour te sauver de la noyade, pour te sauver de, 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 des eaux. Donc c'est ce que Jésus fait. Il nous sauve de, de la noyade, de nos péchés. Il nous sauve des grandes eaux. Donc on a tous besoin d'un sauveur. Si tu te noies, ce que tu aimerais avoir, c'est quelqu'un qui te sauve, qui t'enlève de la rivière, qui t'enlève de la mer, qui t'enlève du fleuve, où ce que tu es. Alors, si tu es en train de te noyer dans tes péchés, tu es, 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 es dans toutes sortes de situations, tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin de la main de Jésus pour te, pour te sauver de, de la noyade du péché. Tu as besoin de la main de Jésus pour te sauver où ce que tu es. Et, alors qu'il qu tend sa main, je t'invite à, à prendre sa main. Le Seigneur, selon, selon les, le épîtres de Paul 2, 2 Timothée, verset 4, 18. Le Seigneur me délivra de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume. Si tu acceptes son salut, il va te faire entrer dans son royaume. Il va te faire entrer dans son royaume. Pour faire partie de la communauté des chrétiens, pour avoir la présence permanente du Saint-Esprit dans ta vie, pour recevoir le don de la foi, pour avoir le privilège d'être à son service, au service du Seigneur, il faut accepter le don de Dieu lui-même, le don de son Fils Jésus-Christ, le sacrifice ultime, reconnaître Jésus comme ton seul sauveur, comme ton seul Seigneur et ton sauveur. Pour ce faire, il faut juste accepter que tu, es, que tu es un pécheur, que tu es une pécheresse. Et tu as besoin de, de Jésus pour te sauver de tes péchés. Ainsi, tu vas recevoir le salut éternel. On a tous besoin d'un sauveur. Et c'est pour cela qu'il nous a envoyé un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, pour te sauver. Alors, comment, comment refuser un tel don? Comment refuser un tel appel? Si tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Si tu veux accepter ce don, ce sacrifice qu'il a fait, il suffit juste de dire à de crier à Dieu et de dire, je crois que tu es le Christ, le Seigneur. J'ai besoin de toi. Sauve-moi. Il suffit juste d'accepter que tu es un pécheur, tu as besoin du salut, tu as besoin d'être sauvé. Tu ne peux pas faire cela tout seul. Tu as besoin d'un sauveur. Tu ne peux pas sortir tout seul de l'eau. Tu es en train de te noyer. Tu as besoin de ce sauveur-là. Prions le Seigneur. Merci pour ta parole au tendre Père Céleste. Merci de ce que... de ce que jour tu as envoyé ton fils Jésus-Christ. Merci de ce que tu nous as choisi. Tu nous... Permet de te servir. Merci pour les frères et les sœurs que tu mets à nos côtés pour nous aider, pour nous encourager, pour marcher avec nous. Merci pour le don de la foi. Merci pour ton Saint-Esprit qui est de façon permanente dans nos vies, qui nous guide, qui nous dirige, qui nous encourage, qui nous convainc du péché, qui nous aide à rester dans ta volonté. Merci pour ce don si merveilleux, qui est ton Fils Jésus-Christ. Nous te demandons de bénir à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Si quelqu'un a pris cette décision de marcher avec toi, nous te demandons au tendre Père de le rencontrer, de le bénir et d'écrire son nom dans le livre de vie et que jamais qu'il ne s'efface, de l'accompagner et d'être son seul, seul Seigneur. Béni soit ton nom. Merci pour qui tu es. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta justice. Merci de ce que tu es le notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. J'espère sincèrement que ce message a pu faire son chemin jusqu'à ton cœur. Euh, si tu aimerais en savoir plus sur Jésus ou sur notre Église, n'hésite pas à nous écrire à info à et un membre de notre équipe te contactera euh, dès que possible. Cette invitation est valable également pour toi qui vis des défis, des souffrances ou bien as une requête de prière quelconque. N'hésite pas, s'il te plaît, écris-nous. On va prendre du temps avec toi. Enfin, on tient à vous remercier, vraiment. Merci euh, pour votre soutien euh, dans la prière, euh, votre soutien à la mission de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous contribuons à la proclamation du message de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus et d'aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, vous désirez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire directement via votre institution bancaire ou en nous écrivant à don au pluriel à égliseleportail.com. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de passer un bon temps des fêtes.